Hello everyone and hello to all the machinery fans. My name is Cedric and I'm a used equipment broker. This week we are in Brittany, in the far west of France. I've decided that beside my everyday job, I'll try to entertain you via videos. I'll show you equipment, any kind of equipment. It could be old or young ones, small or big, very specific or very common. I hope that with such landscape we'll have the opportunity to find the operator with the best view from his office. And now let's go. Nous sommes au bout de l'île Tully. Je pense avoir trouvé le spot parfait pour trouver notre chauffeur de pelle le plus heureux. Et je crois même qu'on vient me chercher pour pouvoir aller voir cette machine. Écoute, ça fait 13 ans que je travaille dans les machines et j'ai jamais été voir une machine comme ça avec un bateau. C'est très très bon. Alors écoutez, c'est assez incroyable pour cette première semaine où je cherchais justement le chauffeur qui avait le plus beau bureau. Je me retrouve sur une barge qui appartient à Mercerons avec derrière une magnifique 954 équipée en long bras, long bridge comme ils disent en anglais. On est sur l'Odé, c'est l'estran, c'est le petit bout de mer entre l'île Tully et Loch Tully dans le Finistère. La sortie du port est juste derrière moi, on la voit derrière. Là-bas, l'île Tully. Attendez, parce qu'il y a les gars de Loch Tully juste en face qui sont jaloux. Un grand, grand merci à l'entreprise Mercerons Travaux Maritimes, entreprise vendéenne. Donc 954 Liber, hein, une des grands classiques des machines de TP. On est, comme son nom l'indique pas, sur une machine de plutôt 60 tonnes hein, que 54 tonnes. Là on prendra des infos avec les chauffeurs, mais je pense qu'on est à bien plus étant donné le bras. Et donc là l'idée c'est de désenvaser le port de l'île Tully. Donc machine de chez Bossir, loueur de matériel. On voit souvent sur les réseaux avec des alignements de machines récentes assez impressionnantes. Mon chauffeur, Freddy. Comment il s'appelle ton collègue à l'intérieur? Mathieu. Mathieu qui avait comme mission de commenter un petit peu, de nous faire partager son travail aux manettes de la pelle. Donc on est sur une pelle Liebherr 954 avec un bras de 22 mètres de long et un godet d'un mètre 50 avec un équipement GPS spécial maritime. Alors on a trois zones à draguer, là on est sur la grande zone, on a 1,50 m à enlever et le GPS nous sert à savoir où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on est déjà passé. Il y a une graduation sur le bras, on se fie à elle. Toutes les heures on a une cote à respecter en suivant des marées. Le mode de travail c'est le jeu de pelle, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Voilà, c'est rengaine. Mais on a quand même un beau bureau. Hein. Je plains les collègues qui sont région parisienne. C'est ça, hein. Ici c'est pas les voitures qui passent près des machines qui sont chiants, c'est les bateaux. Freddy, on va reculer. Ok. Et donc pour la déplacer, hein, on le voit, il n'y a pas de bateau derrière, il n'y a pas de moteur en dessous ou quoi de caché. Rien, c'est simplement la pelle avec la force du bras qui va déplacer la barge. Voilà, donc là on attend que le collègue lève les pieux et puis on va pouvoir bouger. On recule une longueur de bras
ça nous permet de travailler entre une heure et une demi-heure. Donc là, avec un système hydraulique, il remonte les pieux. Donc on voit bien nos deux pieux, ils sont posés au sol, hein, ce qui permet une bonne stabilité de la barge. La barge reste fixe. Et la pelle va pousser sur son bras pour avancer. Quand tu regardes ça d'en face, tu te dis mais c'est un éternel recommencement quoi. Tu prends à droite pour mettre à gauche, est-ce que le lendemain le sable n'est pas revenu? Ce qui est en bleu alors, c'est les bonnes côtes? Tout ce qui est en bleu là, c'est ce qu'on vient de passer dans la journée. Okay. Tout ce qui est à la bonne côte marine, à la côte demandée par le client. Tout ce qui est en vert là, c'est ce qui nous reste à passer. Ça c'est tout le début du chantier. Ok. Aujourd'hui on est juste dans la petite zone. D'accord. Tout ce qui est en... Ça c'est toute la zone qu'on a draguée. Ok. Ce qui est en bleu, c'est on est un peu trop profond. Marge d'erreur, comme de tolérance. Ce qui est en vert, là, c'est... D'accord. Donc comme expliquait Freddy, hein, on a l'impression de... qu'il y a un côté inutile à tout ça, hein, de prendre du sable à gauche pour le mettre à droite. Hein. Mais écoutez, les relevés sont faits tous les 15 jours et puis les résultats sont satisfaisants, correspondent aussi à l'attente du client, donc c'est parfait. Avec là on a sur la barge hein, quelques corps morts repêchés. Puisqu'ici hein, on est en Bretagne, les bateaux sont très souvent, très fréquemment relié à un corps mort on appelle ça. C'est marrant, il y a un côté un petit peu éternel comme des jambes. On a l'impression que on voit pas la fin des jambes. J'appellerai la machine la Adriana 42. Chère communauté technique TP, je vais vous refaire une vue d'ensemble. Oui, on est comment dans la cabine du chauffeur là? Bon ben on n'est pas trop mal hein. Face au phare des perdrix. Alors on a souvent le jeu sur technique TP de montrer vos godets. Là on a un beau godet. Et vous savez quoi, il est toujours propre. Alors ça c'est l'intérêt de travailler dans le maritime. Hein. Mais bon, pour autant, je pense que l'usure doit être importante là-dessus. Pour ceux qui ont envie de conduire une machine, il y a parfois des paysages top, très souvent de très beaux paysages quand on conduit les machines. Mais alors là, on est sur un paysage exceptionnel. Bon, je crois que j'aurais pas eu beaucoup de participants pour le bureau avec la plus belle vue cette semaine, mais le concours est officiellement atomisé. C'est bon ça. En espérant que ces vidéos vous plaisent, je prends un très très grand plaisir à les faire. C'est un kiff de voir tourner une machine comme ça dans un environnement aussi chouette.